L'année dernière, c'était génial. Comme ça, faire un selfie avec une autruche. On se mettra tous à l'arrière, comme ça on discutera de notre futur morceau. Moi, je suis trop pressée de voir en live les invertébrés, les vertébrés, les mammifères, les... Attends, c'est pas un cours de science? Non, vous affolez pas. C'est le centre d'animation de la tour Beau Soleil qui organise la sortie ce samedi. Après-demain? Trop cool. Yes, de la bombe. Bon, les gars, je dois filer. J'ai oublié un truc au collège. À plus. Après, à plus. J'arrive de l'aéroport. Juste à temps pour ton cours. J'étais au Japon. Konnichiwa, Max. Konnichiwa, monsieur Barenboim. Alors, c'est comme dans les films de karaté. Pas tout à fait. Peux-tu me ramasser le courrier, s'il te plaît? J'étais au Tokyo Opera City Concert Hall. Waouh! Vous avez encore donné un concert devant des milliers de personnes? Oui, j'ai dirigé le boléro de Maurice Ravel, une des œuvres les plus jouées dans le... Oh, c'est pas vrai! Mon premier professeur de piano passe me voir dans 3 semaines! Il peut s'arrêter un après-midi entre 2 avions! Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps! Oh oh! Il vit en Argentine! Regarde! C'est moi quand j'avais 6 ans! Vous l'aimiez bien? Oui, je l'adorais! Il m'a tout appris! Bon, revenons à nos moutons. Je voudrais qu'on écoute ensemble un extrait du boléro. Quand tous les instruments de l'orchestre sont réunis. Ah, j'adore ce morceau, c'est super entraînant. Oui, l'entrée de tous les instruments est très progressive. Mais le même rythme se répète encore et encore tout au long du morceau. Et le piano, il joue quand? Il ne joue pas. Quoi? Le piano, Max, est un instrument à part. Il peut jouer toutes les notes, des plus aiguës aux plus graves. Et il fait parfois partie de l'orchestre, mais pas souvent. Ah bon? Mais alors, je pourrais pas le jouer, le boléro. C'est trop dommage. Je n'y avais pas pensé, mais si tu y tiens, Ravel a adapté son boléro pour le piano. Eh ben voilà. Je dois avoir la partition quelque part. C'est un morceau qui se joue à 4 mains. J'en ai que 2. Vous voulez dire que je jouerai avec vous? Oui, et devant mon professeur. On lui fera la surprise. Devant votre professeur? Oh là là, la pression. Ah, la voilà. Ça doit surtout être un plaisir, si ça ne te fait pas trop peur. Non, ça me fait pas peur. Je répéterai à la maison pour me préparer. Ça, c'est la partie que tu devras jouer. Bon, voyons voir. Je suis en concert demain en Espagne, puis je pars à Sydney pour 3 semaines. Il reste après-demain, samedi, 11h. C'est notre seul moment pour répéter ensemble avant la venue de mon prof. Je serai là. Max, t'as des jumelles pour la sortie? On verra mieux les animaux. Faut absolument qu'on en trouve avant samedi. Samedi? Ah oui, la sortie. Mais bien sûr, des jumelles pour la sortie ce samedi, oui. Ça va, Max? Oui, je vais voir si j'en ai. À plus. Oh, c'était trop beau, j'ai complètement zappé la sortie. Il y a que ce jour-là où on peut répéter ensemble sur le même piano. Après, le maestro part en tournée pendant 2 semaines. D'un autre côté, la réserve d'animaux avec vous, c'est génial aussi, mais je peux pas laisser tomber le maestro. Oui, et nous, on fait pas vraiment le poids. J'ai pas dit ça, mais on pourrait y retourner une autre fois. T'inquiète, je comprends, et j'ai bien envie de l'entendre ce morceau, vu comme tu en parles. En plus, le jouer avec le maestro devant son prof, c'est waouh! Je peux pas louper ça. C'est bon, Max, tu as pris ta décision. J'aurais bien aimé avoir une photo de toi avec une autruche, mais c'est pas grave. Merci, Lamia, de me comprendre. Bac, Léon, j'ai un truc à vous dire. Hé, hey Max, t'es capable, toi, de sortir de la voiture quand on sera devant les éléphants? Oui. Non, enfin, je sais pas. Il paraît que pour savoir quand ils vont charger, il faut regarder leurs oreilles. Si elles bougent d'avant en arrière, c'est cuit. T'as 2 secondes pour retourner à la voiture. Qu'est-ce que tu voulais dire, Max? Moi? Bac, t'as trop hâte d'y être. Ouais, yeah.
Mais au fait, c'est pas demain déjà la sortie? Bien sûr que si. Si t'as rien pour ton pique-nique, pas de problème, j'en ai prévu en double, en triple même, pour les copains et pour les singes. Et si t'as pas de casquette, t'as qu'à en choisir une dans mon placard. T'inquiète, rien ne pourra nous empêcher d'y aller. J'arrive pas à leur dire. J'ai qu'à faire semblant de louper le bus demain. Pas sûr que ce soit une... On vient d'avoir une super idée avec Léon. Tourner un clip des ninjas vénères à la réserve. C'est pas génial comme décor? Un clip? Je peux vraiment pas leur faire ça. Tant pis, j'irai avec vous à la réserve. J'ai pas le choix. Ben si, et justement, tu avais choisi ton duo avec Monsieur Barenboim et son professeur. Oh. Qu'est-ce qu'il va dire si tu le lâches maintenant? C'est important pour le maestro et je le vois bien que ça compte beaucoup pour toi aussi. Tu as le droit, Max. T'as raison. Quoi? Tu viens pas à la réserve? Tu nous laisses toujours tomber en ce moment. Déjà qu'on n'avance pas sur notre nouveau morceau. Et puis on peut dire adieu au clip et alors. Et en plus, c'est quoi cette excuse bidon? Des dandelets à te faire arracher? Dis-le que t'as pas envie d'être avec nous, c'est tout. Mais non, c'est pas ça, je vous jure. J'ai juste d'autres trucs à faire. Ça veut pas dire que je suis plus votre pote. La preuve, je t'ai ramené mes jumelles, Léon. Garde-les, tes jumelles. L'avion avait du retard. J'arrive tout juste pour notre répétition. Bonjour, maestro. Vous êtes quand même arrivé à temps. Et maintenant, place au boléro. C'est moi qui jouerai le rythme, la partie grave. Toi, tu joues la mélodie des instruments de l'orchestre. Et moi, je te soutiens en jouant le rythme. C'est toi le soliste, en quelque sorte. Vous êtes comme mon chef d'orchestre, alors? Oui, c'est un peu ça. Vas-y. Plutonique. C'est mieux. Je compte sur toi pour connaître tout le morceau à mon retour et pour le jouer avec plus d'envie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, d'abord, je suis un peu déçu. Et déçu par quoi, Max? Ben, quand on entend tout l'orchestre, c'est plus grand, plus puissant. C'est vrai, mais on n'est pas un orchestre à nous deux, Max. On joue le morceau autrement. Ça sera jamais aussi beau qu'avec l'orchestre tout entier. Si, mais ça sera différent. Au piano, tu peux jouer avec des orchestres, en duo, en trio, en solo. C'est ça qui en fait un instrument si particulier. Cette fois, tu joues au piano seul. Il ne faut pas regretter l'orchestre. Pas regretter? Le groupe? Bon, on répétera encore en mon absence. Sans vous? Je t'avais dit que je partais, mais je me débrouillerai pour être là sans être là. Être là sans être là? Vous allez vous dédoubler? Tu verras. Rendez-vous mardi à 18h ici même. Max, tu viens goûter? Ouais, j'arrive. Je me suis fait un nouveau copain, mais tu me manques quand même. T'as pas envie d'être avec nous, c'est tout? Être là sans être là. Je vais en salle de répète, maman. Je suis pas là, je vous envoie ce morceau spécialement composé pour le clip. Waouh, mais c'est super beau! Ouais! Bonjour Max, bravo pour ta ponctualité. On va jouer ensemble, toi ici, moi Sydney. Pousse-toi un peu, tu prends toute la place sur le tabouret. Vous savez, maestro, moi aussi j'ai réussi à être là sans être là avec les ninjas vénères. Tu me raconteras plus tard. À présent, c'est ici et maintenant. Bravo, Max. Tu vois quand tu veux. Pas nous
reste à part. Car si on croise un jaguar dans la jungle de notre quartier, c'est sûr qu'on va tout déchirer. Waouh, c'est trop bien. J'ai écrit les paroles en même temps qu'on tournait le clip. Tu nous as bien eu, hein. C'est pour ça que t'es resté en fait, pour composer notre morceau. À vous. Fallait que je me mette un peu à part pour y arriver. Pour le clip, Max, il suffira de mettre des plans de toi dans le parc, au milieu de ceux qu'on a tournés à la réserve. Ils t'auraient joué. T'étais pas là, mais c'est comme si. Bravo, Daniel. Tu es aussi bon professeur que moi. Facile avec un si excellent élève. Chut.